Je suis Chilpéric Ier, fils de Clotaire Ier et roi des Francs à partir de 561 jusqu'à ma mort en 584. Ma vie et mon règne sont marqués par des luttes incessantes pour le pouvoir contre mes frères, des conflits qui ont défini l'époque mérovingienne après la mort de notre père. À la mort de Clotaire, le royaume des Francs fut divisé entre ses quatre fils, Charibert Ier, Gontier, Sigebert Ier et moi-même. J'ai hérité du domaine le plus petit, comprenant principalement le Neustrie, avec des capitales comme Soissons. Cependant, mes ambitions ne se limitaient pas aux frontières de mes terres. Ma rivalité avec Sigebert, roi d'Austrasie, fut particulièrement acharnée. Il a épousé Bruno, une princesse wisigote, qui a apporté avec elle un grand prestige et une influence considérable. En réponse, j'ai pris pour épouse Galswint, sa sœur, mais mon affection restait tournée vers Frédégonde, ma maîtresse passionnée et ambitieuse, qui allait devenir plus tard ma femme après un tournant tragique. Le règne est marqué par des intrigues et des assassinats, souvent orchestrés par l'impitoyable Frédégonde. Dans une série de coups sinistres pour consolider notre pouvoir, Galswind fut étranglé dans son sommeil, ce qui déclencha une guerre ouverte avec Sigebert et Bruno. Malgré la brutalité et les conséquences sanglantes, ces actes renforcèrent temporairement mon autorité, mais au prix de la stabilité du royaume. Je me suis également intéressé à la législation et à la réforme du droit. J'ai tenté de modifier les lois saliques. Une entreprise qui a suscité beaucoup de résistance parmi les nobles et les légers du royaume, qui voyaient dans ces changements une menace à leurs privilèges. Mon règne fut entaché de guerre, non seulement avec mes frères mais aussi contre les Bretons et autres peuples limitrophes. Ces conflits affaiblissaient notre royaume, le rendant vulnérable aux intrigues internes et aux menaces extérieures. En 584, ma vie et mon règne prirent fin de manière abrupte et violente, assassinés lors d'une chasse. Mon fils, Clotaire II, encore un enfant à ma mort, fut élevé dans l'ombre de Frédégonde, qui continua à régner en tant que régente, perpétuant l'héritage de manipulation et de pouvoir que j'avais tant valorisé. Ainsi se termine le récit de ma vie, un mélange de pouvoir, de trahison et de lutte familiale qui caractérise si bien l'âge mérovingien.